Arrivée à Rome, donc là je suis à l'aéroport de FCO et là j'essaie de trouver où est ce putain de métro, comme d'habitude, de toute façon c'est un basique. Et je prends pas un métro normal, mais je prends un train, c'est le FL1 je crois, et il part dans 20 minutes, sauf que je ne sais pas où il est. Donc je sors de l'aéroport et on verra ce que ça donne, mais il fait vraiment pas très beau, genre vraiment il fait que pleuvoir pendant les 3 jours. Donc je suis ravie, donc je vais essayer de trouver ce putain de train. Et je vous reprends. Mais sinon l'aéroport il est plutôt pas mal. Hein. Genre il y a plein de... Exit, là, on va aller à l'exit. Il y a plein de prises électriques, ça a l'air propre, c'est grand, ça a l'air bien foutu. Non, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment plutôt sympa. Bon, comme vous pouvez voir, le temps c'est vraiment horrible. Ah bah voilà, c'est bien marqué, c'est cool. C'est super bien indiqué en tout cas. Exit, train, tout ça, c'est parfait. Bon ça y est, j'ai mon ticket pour le train. J'ai galéré parce que en fait... Quand je sélectionnais la station que je voulais, ils me disaient attention, ce train est direct sur cette ligne-là, ça ne s'arrête pas à ça, ça, ça. En fait, je comprenais pas, je me disais est-ce que c'est le bon train ou pas, ou est-ce que c'est un autre qu'il faut que je prenne. Donc j'ai recommencé au moins 6 fois. J'attendais un mec là pour m'aider, mais il n'y avait personne. Du coup, bah, j'ai pris un billet, mais je sais même pas si c'est bon. C'était 8 euros du coup. Sinon, vous avez les transferts avec les bus, mais ça s'arrête à Termini. Et moi, c'est un peu trop loin. Moi je suis vraiment à côté de la station de ça là. Ok, donc là je suis arrivée à la gare, du coup ça se présente comme ça. Et moi je vais à Roma Tuscolona, donc j'arrive à 11h07. Il est grave stylé le train, c'est super beau. En plus il y a des prises géniales, pouvoir brancher nos affaires, ça c'est super bien. C'est plutôt pas mal, après 8 euros, hein. C'est comme un RER quoi. Donc je reste 3 jours à Rome, ces 3 jours, enfin toute cette semaine à Rome il fait super moche, genre vraiment il y a des orages, de la pluie, là, il fait que pleuvoir, donc heureusement j'ai pris un parapluie. Et aujourd'hui du coup nous sommes le samedi 13 mai, donc le 13 mai pour ceux qui ne le savent pas c'est les 1 an de mort de Birdie, je ne sais pas comment dire ça mais bah, ça fait 1 an qu'elle est morte et que je me suis dit qu'il fallait que j'aille dans un endroit assez atypique, assez spécial pour lui rendre hommage. Donc aujourd'hui on va faire la chapelle Sixtine. J'espère que je vais pouvoir le faire, parce que ce qui paraît, il y a beaucoup de queues. Je vais faire aussi la basilique Saint-Pierre et il y a aussi le petit jardin que je vais faire aussi. Donc ouais, ça va être une journée assez pluvieuse. Hein, j'ai vu qu'il fallait réserver pour le Colisée, donc j'espère que demain il y aura des places, parce que ça en fait ça c'est au jour le jour. Donc demain il faut que je réserve pour le Colisée, mais je vais pas vous prendre en vlog. Enfin, je vais juste vous montrer dans ce vlog ce que je vais faire vite fait, mais ça va être en une seule vidéo et pas en 3 comme d'habitude, puisque ça fait beaucoup de travail et il y a mes parents à la maison, donc ça, je peux pas travailler 3 jours non-stop sur mes montages, c'est pas possible. Donc je vous montrerai vite fait voilà, sous la pluie, avec le parapluie, le Colisée, tout le bordel, tout ce que je vais faire, en fait, juste en fractionnant un petit peu plus. Voilà, je vais prendre le train direction Roma Tuscolona, truc comme ça, et après j'ai genre 10 minutes à pied jusqu'à mon Airbnb. Bon, je viens d'arriver à la station prévue. Donc là, je me dirige vers le Airbnb. Donc ma chambre, elle n'est pas encore prête. Donc j'ai juste déposé mon sac. Et après, on va direction la chapelle. Parce que à ce qui paraît, il y a beaucoup, beaucoup de gens. Bon, ce n'est clairement pas le temps rêvé. On va pas se mentir. Il pleut, il fait froid. Je suis ravie, vraiment. Mais bon, qu'est-ce qu'un voyage sans pluie avec Elisa, vraiment. À chaque fois que je pars, à chaque fois, il pleut. J'ai l'impression que Ofodo il nous fait des offres flash 2 mois à l'avance en prévision de la météo. Merdique. Donc là je vais au Airbnb. Je peux pas vraiment se rendre compte de la beauté des lieux parce qu'il fait tout gris. C'est comme un Paris, genre Paris sous la pluie, c'est pas très beau. La résidence elle est toute mignonne. Alors il m'a dit qu'il y avait un bouton. Ah voilà. Je crois que c'est ça. Voilà. Du coup il pleut comme vache qui pisse. Hop. Et c'est une petite résidence comme ça de petit vieux. En fait, c'était un petit vieux, il était trop mince. I'm sorry, I didn't speak Italian. Okay. Sorry. Donc, c'est une petite résidence comme ça. Et en fait, c'était un tout petit vieux, trop mignon.
Et du coup, bah, ce soir, il faudrait que j'appelle son fils, mais j'ai pas son numéro. Il m'a dit, oh, sur Airbnb, etc. Non, un tout petit vieux, genre vraiment trop mignon. Et là, je marche, mais je sais pas où je marche. Là, on va direction le métro. Je sais pas si vous allez voir, mais les maisons, elles sont toutes colorées. Rose, orange, ocre. Il y avait des maisons avec des jasmins. Genre, ça sentait, mais de ouf. Et c'est vraiment assez mignon. Genre, imaginez avec du soleil. Ça peut être plutôt pas mal, hein. Mais vraiment, trop bien. J'ai vu qu'il y avait un petit marché. Avec des fleurs et tout à côté. Je meurs, il y avait un magasin qui s'appelait Poltrone Sofa. C'est assez drôle. Alors du coup, voilà ce que c'est. Il y a 1,50€. Après, il y a 50 centimes de carte. En fait, c'est pas des tickets en carton. On va faire par carte. Est-ce que ça a fonctionné? Transaction. Ah ok, du coup, faut quand même prendre une carte avec 50 centimes en plus. Ok. Bon, c'est bien. Ah oui, c'est une carte comme ça. Comment ils font les gens? Passer. Je suis vraiment une bleue. Merde, comment on fait? Oh, bah tout simplement. Maintenant, faut trouver le métro, enfin la direction. Je suis les gens, littéralement, je suis les gens. Je me dis qu'ils savent où aller. Donc là, je suis dans le métro. Ça se présente comme ça, donc c'est pareil qu'à Paris, mais beaucoup plus gros. Ça, c'est bien. Et nous, on va à Ottaviano avec le Vatican. Mais je ne sais pas dans combien de temps il arrive. Ça n'y a pas marqué. Ça, c'est bizarre. Oh, regardez, je viens de sortir du métro. Il y a ça. C'est trop stylé. Un ancien train réhabilité. Ah. Chouk chouk. Je suis dans une rue, il pleut sa mère. Il y a plein d'attrape-touristes, donc moi je suis déjà ravie. Oh, il y a plein de magnétiques. Mais par contre, ça flotte de ouf. Genre, mes pieds sont trempés. Ça va être drôle ce week-end, moi je vous le dis. Ok, donc là j'arrive, je sais pas où. Sûrement dans... Ah, Basilique, Dôme. Je crois que je suis sur le bon chemin, les gars. Ça y est. Oula, c'est quoi ce bordel? Il y a un monde. La queue? Non, me dis pas que c'est la queue. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Donc ça, je pense, je suppute que c'est la queue. Oh, la queue, elle fait tout le tour. Bon, je pense qu'on va aller se faire foutre hein, pour la chapelle. Ah, il pleut plus. Ok, on va faire des photos. Non, mais regardez cette queue. Non, mais vraiment. Et je sais même pas s'il y a encore des tickets. Je sais même pas si la queue des tickets, la queue de pas tickets. C'est un truc de ouf. Et demain, elle est fermée, en fait. C'est pour ça. Il n'y aura que lundi, mais lundi, j'aurai pas le temps. Entrance Basilique Dôme. Attendez, même pour la Basilique Saint-Pierre, je peux pas? Bon, de ce que je comprends, là, c'est la queue pour la Basilique Saint-Pierre. En soi, ça va, ça avance vite. Est-ce qu'il y a, possibilité de mettre des panneaux parce que je tente ou je tente pas? On va tenter, hein, écoutez. On va essayer de gruger. Bon, j'ai réussi un petit peu à gruger. Je sais, c'est pas bien, mais bon, je suis seule. Ça va, ça prend pas trop de temps. Donc voilà où j'en suis. Alors, je sais pas trop comment accéder à la basilique parce que j'ai vu qu'il y avait une entrée, mais je voyais tout le monde sortir. Et là, je crois que ça va être les tickets en face. Donc là, on rentre par ici. J'ai toujours pas acheté les tickets, mais il y a vraiment un sacré contrôle. Hein. Je pensais pas, mais... La billetterie, ça y est, je l'ai trouvée. Ça va, il n'y a pas beaucoup de gens non plus. Oh là là. Oh, waouh. Je sais pas si vous allez bien voir, mais... Oh, c'est hyper grand, je pensais pas. En fait, je viens de réaliser que c'est pas du tout l'entrée, enfin la billetterie pour le Vatican, mais c'est la billetterie pour la coupole. Je savais même pas qu'on pouvait monter en haut, que c'était payant. Du coup, bah, je fais la queue depuis au moins une bonne quarantaine de minutes. Il y a un mec en fait qui est allé en pause déj, genre tranquille. Il nous a laissé en plan pendant 30 minutes. Donc c'est plutôt sympa. Genre c'est archi joli. Bon, ça m'a coûté 10€. J'ai pris avec l'ascenseur. L'ascenseur nous amène à la moitié du chemin. Mais quand même, ça m'a pris genre 3 secondes à faire un ticket. Il est tout seul, le pauvre. Il est trop beau. Voilà, la queue, elle commence à arriver. Soit vous prenez avec les à pied, en foot, donc vous devez monter 550 marches. Soit vous prenez l'élévateur, comme moi. Et, oh, c'est beau. Attendez, je suis où? Oh là là. Waouh. C'est super beau. Ça, c'est la basilique, on est d'accord, hein. Parce que moi, j'y comprends rien. Là, depuis tout à l'heure, je ne comprends pas ce que je fais. Là, je pensais que je faisais la queue pour le Vatican, mais en fait, pas du tout.
C'est super beau. Bon bah du coup pas de bol, hein. Il pleut encore, c'est vraiment un peu chiant. Mais c'est vraiment super beau, c'est super grand. C'est aussi grand que, c'est même plus grand que les mosquées que j'ai visitées à Istanbul. Oh, il y a des souvenirs. Ah, il y a des chapelets. C'est pas des marches. C'est une pente. Ça me change, dis donc, hein, les côtes. Waouh. Ah bah en fait on est vraiment tout en haut. Oh, attendez. Je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait toutes les. Tout ce que vous voyez, les visages, etc., ça a été fait avec de la pierre, de la mosaïque. Par contre, vous n'avez pas le droit aux perches ici. Genre il y en a un, il s'est fait reprendre direct, puis il l'a viré en 3 secondes. Donc faites attention. Et aussi j'ai vu sur les sites que la coupole était payante que par cash. Là ils le font par sans contact. Donc vous pouvez payer par carte. C'est vraiment incroyable. Genre je suis fascinée par ces détails de. Je sais pas s'ils ont peint ou s'ils ont choisi des couleurs en fonction, je sais pas du tout. Mais c'est super joli. Et puis la vue. Vous voyez pas grand chose, hein. Je suis désolée, mais moi non plus d'ailleurs. En même temps, ils auraient pu faire un truc en plexi, je pense, ça aurait été beaucoup mieux. Bon, j'ai mis mon appareil entre deux, trois grillages. C'est super joli. Je sais pas si ça, on s'en rend bien compte à la caméra, mais c'est vraiment plein de couleurs, de dorures et tout, c'est trop beau. Du coup, je prends un autre chemin. Coppola. Ah oui. C'est ça les marches. C'est horrible. Prenez l'ascenseur. Parce que faire 150 marches. Comme ça. Genre vraiment c'est très serré. C'est vraiment trop trop beau. On peut voir la queue. En vrai, ça valait vraiment le coup parce que c'était très très beau. Mais par contre, pour y accéder, c'est vraiment du sur-mesure. C'est-à-dire que si le mur est penché, tu te démerdes quoi. Vraiment, là ça va, c'est des escaliers en métal. Mais je vais vous montrer quand on va repasser devant là. C'est n'importe quoi. Mais vraiment, c'est. Ouais, je suis quand même assez grande. Hein. Donc les gens qui font plus d'1m80, faudra vraiment vous baisser. Et ceux qui font du 46 en chaussures, je sais pas comment vous allez faire. Moi je fais du 40, déjà je galère. Mais c'est vraiment très beau. Donc là, ce que j'aimerais faire, c'est faire la basilique, mettre une petite bougie pour Birdie et faire le musée du Vatican, mais j'espère que je pourrai, vu que c'est jusqu'à... Pardon, je dois me brancher 2 secondes. C'est jusqu'à 16h la dernière entrée, donc j'espère que je pourrai. Genre, je sais pas si vous verrez. Bon, déjà, c'est extrêmement exigu. Mais là, ça va, là encore, on est droit. Mais tout à l'heure j'étais penchée à 90 degrés, c'était trop drôle. La descente est aussi pire que la montée parce que ces escaliers là ils sont hyper hauts. Ça nique les genoux. Donc là nous arrivons dans la basilique Saint-Pierre. Donc c'est une basilique qui a été construite je crois que sur le tombeau de Saint-Pierre ou un truc dans le genre. C'est, je crois que c'est encore plus grand que la mosquée Sainte-Sophia et je crois même que c'est encore plus beau. Bon, c'est pas du tout la même chose, mais c'est différent. Mais là, il y a beaucoup plus de dorures. C'est immense. Et les colonnes en marbre, incroyable. Je sais pas pourquoi il y a ça, du coup. Mais ça fait un peu glauque, je trouve. Enfin, moi, je suis mal à l'aise. Mais en tout cas, l'habit est trop joli. Je sais pas, par contre, si on peut mettre une petite bougie quelque part. J'ai pas vu de bougie encore, je pense pas. Je pensais qu'il y avait un truc un peu dédié. Mais c'est immense. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est vraiment immense. C'est super joli.
Ouais, vraiment, le mot-clé ici, c'est immense, doré et sculpture, hein, vraiment. C'est incroyable. Mais c'est vraiment très grand. Je redis la même chose, mais c'est hyper grand. Là, il y a la tombe du pape et des Vatican grottes. Bon, on va y aller. Bon, je suis désolée, je pouvais pas prendre de photos et de vidéos parce que c'était un lieu sacré. Mais en fait, il y avait plein de tombes en pierre. Et je me suis dit, c'est pas possible qu'il y ait des corps à l'intérieur. Je pense pas, il y a de l'eau. J'ai pas de bouteille. On va boire comme ça. Hein. Donc là, on se retrouve du coup dehors. Donc je vais essayer de re-rentrer. Il faudra quand même peut-être faire le musée du Vatican parce que j'ai toujours pas retrouvé. Je sais pas du tout où est-ce que c'est. Et c'est fou qu'on puisse pas mettre de bougies dans une basilique. Moi, je trouve ça... Je trouve ça bizarre. Donc voilà ce qu'on voit. Et là, je suis en 0.5, hein. C'est-à-dire que j'ai le grand angle. Hein. Je sais pas si vous remarquez la grandeur, même à la mosquée de Sainte-Sophia qui est gigantesque. J'avais pas ça. C'est un truc de fou. C'est très joli. C'est très propre. Mais voilà, il manque les bougies. Et je me dis, s'ils mettent des bougies, ça va être un peu un bordel. Genre, tout le monde va vouloir le faire, mais ça me tenait à cœur de mettre une petite bougie le jour... Dès un an de birdie, peut-être dans d'autres basiliques je vais pouvoir, mais... Moi j'ai demandé du coup pour le musée, etc. Et en fait c'est de l'autre côté, genre c'est sur la gauche. Et donc toute la queue là qu'il y avait c'était juste pour rentrer dans la basilique qui est gratuite. Donc je sais pas comment ça va se passer. En tout cas c'est vraiment très joli, c'est gratuit. Il y a un petit peu de queue pour y aller. Mais franchement c'est incroyable. Donc je vais essayer de me dépêcher pour le musée du Vatican parce que la dernière entrée c'est 16h. Et j'aimerais vraiment le faire. En fait, je faisais la queue depuis tout à l'heure, mais je comprenais pas pourquoi ça avançait pas. Et en fait, ça avance pas parce qu'ils ne prennent pas les tickets pour l'instant. Genre, on va se faire foutre depuis tout à l'heure. Ah là, ça avance un peu, enfin. En même dire. Bon, du coup, j'ai réussi à avoir la queue là. Et du coup, ils faisaient pas du tout rentrer les gens. Et il y a plein de personnes comme ça là, qui se déguident, etc., qui veulent vous vendre des tickets. Ils sont au moins une 25. Genre 25 et ne les prenez pas, c'est des arnaques bien évidemment. Bon, les gars, j'ai réussi à esquiver 3 heures de queue. C'est un truc de ouf. Donc c'est super beau à l'intérieur, c'est très moderne pour acheter les tickets. Au niveau des tickets, j'étais très rapide. C'est juste l'entrée qui est hyper lente, je trouve. Parce que là, j'ai acheté mon ticket, il n'y avait personne. Il y a beaucoup de guides par contre. Oh, on est quand même dehors. Hein. Mais ça a l'air par contre immense. Genre vraiment, ça a l'air immense. Par contre, il y a des guides de partout, c'est un truc de ouf. C'est super beau. J'avoue, je suis un peu perdue, je sais pas où est-ce qu'on est. Bah du coup, on était là-bas, je crois, tout à l'heure, à la basilique. Là, il y a le jardin. Ah, mais c'était là où il y avait le jardin, non? Mais oui, il y avait un jardin, là. Voilà, je sais pas ce que c'est. Panna Cotta. Bon après moi les trucs comme ça m'intéresse pas trop, hein, je vous avoue. Donc je passe un peu devant, je regarde mais c'est pas... En même temps dans le musée du Vatican, Elisa. C'est hyper joli parce que tout est en arrondi en fait. C'est trop beau. Alors je sais pas si avec ma caméra vous allez bien voir mais que ça a l'air un peu nul dans le noir. C'est hyper beau. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est immense. Les gars, il y a Massa. Il est là. J'aime trop cette peinture. Elle est trop jolie. C'est trop beau. Je trouve ça tellement glauque. C'est vraiment trop beau. Entre les statues, l'architecture, comme d'habitude, moi j'adore. Hein. Genre l'Égypte, c'est un truc que je veux faire en plus comme voyage. Et je trouve ça fascinant. Les murs sont hyper beaux. Et aucune pièce ne se ressemble. Regardez ça comme c'est beau. C'est super beau. Il y a plein de petits dessins comme ça sur les murs. Il y a plein de statues là-bas.
J'ai l'impression de ne pas avoir de vrai chemin. C'est un peu chiant, il n'y a pas de chemin guidé. Bon, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de touristes. Mais franchement, ça en vaut le détour, c'est très joli. J'ai l'impression de voyager en fait, entre l'Égypte, la Grèce, là. Là, c'est la Grèce, à ce qui paraît, je crois. J'ai vu Greek Garden, un truc comme ça. Parce qu'il y a tellement de mosaïques par terre comme ça. Ça, c'est le Circular Hall, du coup. Et c'est vraiment... c'est extrêmement grand, quoi. Moi, j'en prends plein les yeux. Je suis très contente. Il y en a partout des mosaïques. Genre, on marche sur des mosaïques. Non, mais j'adore. Je veux trop ça chez moi. Non, mais en vrai, ça n'en finit absolument pas. Hein. Genre, vraiment, j'ai l'impression d'être dans un labyrinthe. Je n'ai aucun plan. Ce serait bien d'avoir un plan. C'est énorme. Oh là là, c'est beau. Ouais, c'est les Grecs, ça. Eh ouais. Bah, c'est pratique pour savoir ce que c'est. Je chiale. C'est trop beau. Oh, j'adore. Je veux ça chez moi. C'est incroyable. Ah, du coup, on est monté par là. Ok, j'arrive à me repérer un petit peu. C'est super beau. Genre vraiment, je reste bouche bée depuis tout à l'heure, je dis rien parce que bah, j'en prends plein les yeux. Ouais. Bah, je vous laisse regarder, hein, du coup, hein, comme moi. Hein. Ok, donc là, on est à la galerie d'Elgir Arazi. Il y a plein de tapisseries. Elles sont tellement bien restaurées. Oh, les plafonds, vraiment incroyable. Je suppute qu'on se dirige un peu plus vers la chapelle, j'espère. Ou alors pas du tout. C'est vraiment très, 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 très grand. Genre, je pense que avec un guide, il faut genre 4 bonnes heures. Donc là, c'est la galerie des cartes géographiques. Je suis subjuguée. Vraiment... Les cartes, elles sont de tellement bonne qualité. En fait, c'est que des peintures. C'est super beau. Je me croirais au Quai d'Orsay ou au Louvre un petit peu. C'est incroyable. Bon, depuis tout à l'heure, je suis en train de chercher la Grèce. Genre, là où j'habite actuellement. Et je crois que je vais aller me faire foutre. Parce que il n'y a pas... Mais c'est vraiment les détails. Je sais pas comment ils ont fait à l'époque pour avoir autant d'imagination. C'est subjugant. Ah bah là, il y a l'Italie, du coup, il y a la Grèce à côté. Bah du coup, je viens de faire la chapelle Sixtine. Je vous avoue, je m'attendais à beaucoup mieux. Enfin, de ce que j'ai vu, là, de ce que je vois depuis tout à l'heure, même là, c'est genre incroyable. La chapelle, elle est pas. Enfin, je m'attendais à mieux. Bon, après, chacun ses goûts, hein, mais vous pouvez pas prendre en photo, pas prendre de vidéo, rien. Donc, je pouvais pas vous montrer. Mais il y avait beaucoup de monde. Donc, là, on atterrit à la sortie. Et on est au niveau de la basilique. Donc on aura tout fait, enfin j'ai essayé de vous montrer un maximum de choses, mais je pense que je vous ai montré genre 10% de ce qu'il y a, parce que vraiment c'est énorme. En vrai 22€, je me suis dit non, c'est un peu cher et tout quand même pour les gens, mais ça les vaut largement, genre vraiment c'est extrêmement grand, c'est très beau, et enfin on voyage en fait, et chaque nouvelle pièce c'est vraiment... T'es bouche bée. Et là on atterrit genre vraiment directement là où j'étais tout à l'heure. Donc vaut mieux faire d'abord le Vatican. Ensuite vous tombez directement bah, sur ça là, la basilique. Comme ça pas besoin de faire la queue deux fois. Puis voilà, après vous visitez, vous pouvez faire le dôme. Même s'il pleut. Voilà, mais bon on est à l'intérieur. Du coup c'est vraiment une bonne activité quand il pleut. Mais par contre les gens qui ont fait vraiment la queue, genre pas comme moi, ils ont attendu genre 2 heures sous la pluie. Moi j'aurais pas pu. Hein. Et là il y a une queue de bâtard pour la basilique. Genre là la queue elle est énorme. Je comprends pas. Genre vraiment, elle est... vous voyez les gens là qui attendent, bah ils attendent. Bon allez, nous on va au McDo. Parce que là, faut que je boive, faut que je mange, faut que je fasse un truc parce que je n'en peux plus. Mes genoux, on n'en parle même pas. Entre les escaliers de tout à l'heure, c'était incroyable. Donc on va chercher un petit McDo et on va s'installer en terrasse. Bon, moi ce que j'adore faire, c'est regarder ce qu'il y a ici et pas chez nous.
Français, ouais. Alors, qu'avons-nous ? Il y a des frites bacon et tout. Incroyable. Il y a crispy bacon en wrap. Oh. Alors, les menus. Menu viande. Ah, ça, c'est juste le sandwich du coup. J'aime bien le crispy wrap. C'est comme un malt. Ok, bah on va prendre. Oh, c'est cher. Alors, les desserts. Voir ce qu'il y a de beau. Il y a des actimel. Non, mais je ciel. Il y a le truc de parmigiano. C'est comme un malt. Bah, en même temps, c'est italien. Enfin, c'est à côté d'Italie, les milkshakes. Puis, du coup, on peut tester avec les cheddar, etc. Donc, moi, je prends les frites moyennes normales. Avec bah, pas de sauce, visiblement. On va se faire foutre. Je viens de finir de manger. Je regardais un petit peu les attrapes touristes. Le problème, c'est qu'il n'y a que des trucs religieux. Enfin, ce qui est totalement. Logique en fait. Donc dès que je vais voir le Colisée, j'espère que je pourrai le voir demain, j'achèterai un magnet de Colisée, j'espère qu'il y en a un. Hein. En tout cas, il y a plein de glace, de gélatina. Genre, il y en a plein dans toutes les ruelles, c'est super sympa, mais bon, une glace avec ce temps-là, je suis pas sûre. Donc là, je suis dans une petite rue piétonne. Oh, c'est trop beau. Avec le Colisée, comme ça, j'aime bien. Ils sont immenses leurs... par magnette. Donc là, je vais en direction d'une autre basilique, parce que j'aimerais bien, enfin une église plutôt, j'aimerais bien allumer une petite bougie. Ils sont trop beaux les magnettes. 1€ en plus. Oh, il est beau celui du Colisée. Pourquoi il y a des tubs? Il y a marqué David. Là, il faut que je me renseigne, ça m'intéresse. Donc sur le chemin de l'église, il y a le petit château. Enfin le petit, il est énorme. On l'a vu un petit peu mieux d'en haut, de la coupole. Il y a des attrapes touristes. 1€. J'ai envie de voir. Donc là, je suis dans l'église, mais le problème, c'est que il n'y a pas de bougie. Genre, je crois qu'en Italie, ils n'allument pas de bougie. C'est bizarre. Franchement, les petites ruelles, elles sont adorables. Genre, il y a plein de végétation, des lumières. Là, je crois que c'est une église. On va retenter notre chance, peut-être. Donc là, je suis arrivée dans un carrefour. Un carrefour, vraiment, je suis trop contente, ça fait je ne sais pas combien de temps que j'ai pas été dans un carrefour. Du coup, je voulais prendre de l'eau, je sais pas laquelle prendre, c'est que des 1 litre. Des 1 litre. C'est que 1 litre. Oh, un petit coca là. Et là, je viens de tomber sur ça. Donc c'est un glacier artisanal très connu ici. Et je continue voilà, de marcher un petit peu, de me balader, mais c'est vraiment trop joli. Mais ça a un charme de fou. Et là, du coup, c'est pour les tiramisu. Il y a énormément de gens. Tiramisu, je suis un peu moins fan. Oh, c'est trop beau. Le mec, il customise les chaussures. Be like a panda, j'adore. Et là, je suis arrivée dans une place où normalement, il y a 3 fontaines. Et c'est juste en face du musée de Rome. Et les musées sont fermés le dimanche. Ce que j'ai bien compris. Hein. On va aller voir les 3 fontaines. Donc, c'est la place Piazza Navona. Donc, ah, j'aime trop. Romims, c'est trop beau et je vois qu'il y a une église. Est-ce qu'on va encore se faire foutre? Je vous ai pas dit, mais dans l'autre aussi, je suis allée me faire foutre. Trop beau. C'est immense. Bon bah ça y est, j'ai mis enfin mes 2 petites bougies. J'ai un peu pleuré aussi. Et c'est drôle parce que quand je voulais montrer à mon père et ma belle-mère que j'avais pris en photo, que j'avais mis les bougies, genre mon appareil il m'a dit non. Genre j'ai essayé de prendre en photo, c'était impossible, genre vraiment. À Paris il m'a dit ça, c'était écran noir en fait. Du coup bah j'ai envoyé une vidéo juste avant, enfin la celle que je vous ai montrée. Genre vraiment 3 secondes après ça s'est arrêté, je me dis c'est le destin. Il veut que je rende hommage de manière silencieuse sans téléphone. Et bref en tout cas c'est très très beau. C'est vraiment une très grande place en plus avec plein de restaurants, tous les côtés comme ça. Ah, ça fait du bien d'avoir mis des bougies. Je voulais des chandelles parce que moi, les bougies chauffe-plat, je trouve pas ça ouf. Mais finalement, c'est déjà mieux que rien. Alors, je sais pas du tout ce que c'est comme magasin, mais ça a l'air tellement what the fuck. Oh, y a Donald. Ça a l'air incroyable. Comment on fait pour rentrer? Ah, oh. C'est totalement what the fuck. J'aime trop. Il y a des petits pistolets. C'est trop drôle. Vraiment n'importe quoi. Je ne comprends pas. J'ai vu dans la boutique un tout petit cœur dans une pierre un peu spéciale. J'ai vu, il est en plusieurs couleurs. Je pense que je me le prendrais. Ce qui était vraiment joli, c'était à 3,50€. Après 5€ la moyenne, 7€ la grande. Mais le petit, ce serait déjà bien. Et là, je me dirige vers le Panthéon. Bah oui, ça me manque. Hein.
Et donc là, je suis arrivée au Panthéon. Franchement, le nôtre, il est beaucoup plus classe, on va pas se mentir. Hein. Genre, Paris 1, c'est beaucoup mieux. Hein. Mais je sais pas si c'est les nuages qui font ça ou autre. Ah, moi aussi, je veux un plan. Mais c'est très, très terne. C'est tout gris. C'est trop beau. Mais ouais, c'est un peu terne. Donc là, il y a un peu trop de gens. On ira demain quand il va pleuvoir. Par contre, je remarque qu'il y a énormément de Français. Genre, ils sont tous venus là maintenant. Du coup, on va aller au Starbucks. Genre, à chaque pays, je vais dans un Starbucks pour voir s'il y a des trucs atypiques. Pas un pigeon. Pour voir s'il y a des trucs un petit peu atypiques. Genre, à Istanbul, il y avait vraiment le thé turc. Donc, c'était plutôt... Non, le café turc, pardon. Et c'était plutôt pas mal. Mais là, peut-être qu'ils ont des choses intéressantes. C'est vraiment trop beau avec les lumières, là, comme ça. Les bâtiments, genre, vraiment... petit restaurant plutôt sympa. Non mais regardez les vignettes avec les bouteilles. Dommage que je bois pas d'alcool parce que c'est vraiment très bien fait. Et là je suis la Pizza Colonna, donc la place de la colonne. Et en fait tout ça là c'est une colonne en marbre avec plein de sculptures dessus. Ici je sais pas trop ce que c'est, il y a plein de gardes. Et il y a la télé, comme d'habitude, à chaque fois que je vais quelque part, il y a toujours la télé quelque part, là, par là. Ah bah du coup, derrière moi, c'est l'INPS, c'est le bureau du procureur. Je chiale. Voilà, à chaque fois que je vais quelque part, il y a toujours la télévision. Tout le temps. Alors qu'à Paris, je les vois jamais. Franchement, c'est trop trop beau. Mais par contre, le monde, c'est un truc de ouf. C'est incroyable. Vraiment trop beau. Et ça, là, c'est l'envers du décor. Incroyable. Les gens sont dégueulasses. Donc là, je vais essayer d'aller à l'office du tourisme. Je crois que j'en ai vu une sur internet. J'espère que c'est une vraie office du tourisme. Je trouve ça trop mignon pour les bouchons de bouteilles avec le Colisée. Plutôt pas mal. Et j'ai vu ces tasses. Elles sont archi belles. Je pense que je m'en prendrai une. Parce que vraiment, j'adore. Oh, il y a un Lush. Putain, c'est trop bien. Je pense que c'est les mêmes prix. Il y a mon shampoing solide. Mais c'est trop bien, je vais m'en acheter. Que j'en ai plus. Du coup, je suis allée, mais c'était beaucoup trop cher. Genre, c'était 15 euros alors qu'à Paris, c'est 10 euros. Et j'adore parce que tout le monde me dit oui, Lisa, teste les glaces, etc. C'est les meilleurs au monde, machin, etc. Et oui, mais il pleut. J'ai froid. Je vais pas manger une glace alors que je me pèle le cul. J'aime trop ces petites peintures, elles sont trop belles. Avec Mickey et tout, c'est trop beau. Livres là, ils sont incroyables. C'est trop joli. Non, mais vraiment, une office du tourisme. T'as peur. Ils ont rien à l'intérieur, aucune map, rien. Ils m'ont dit que vous pouvez acheter dans les attrapes touristes. Mais non, normalement, tu sais, ils ont des brochures. Même à Athènes, ils ont des putains de brochures de ouf. J'ai pris le bus pour rentrer, c'était direct jusqu'à chez moi. Mais j'ai pas pu le payer, genre j'ai pas pu acheter un ticket dans le bus. Donc j'ai traversé ce bus illégalement. Je me sens très mal. J'étais stressée tout le long. Je me suis dit, mais c'est jamais, moi, ça m'arrive. Et je me dis, avec la chance que j'ai... Il y aura un contrôleur. Donc bref, là je vais au Airbnb parce que là je n'en peux plus. J'ai marché 20 km, j'ai fait 35 000 pas. Et là il est 18h30, 19h. Donc je vais me prendre une douche, je vais me démaquiller, je vais me poser dans mon lit. Et je vais aussi vous montrer le Airbnb du coup parce que même moi je ne l'ai pas vu. Bon, eh bien je viens d'arriver. Je crois que j'ai l'appartement toute seule. Mais en fait il y a juste une chambre dans l'appartement avec plusieurs autres chambres. Donc là, pour l'instant, il n'y a personne. C'est trop bien. C'est vraiment très très propre. Donc je vais enlever mes chaussures. Dégueulasses d'ailleurs. Hop. Le lit est comme ceci. Franchement, c'est super bien. En plus, c'est un tout petit vieux. Il est trop mignon. C'est hyper fonctionnel. Genre, hyper pratique. Ils ont un bidet. J'avais complètement zappé. Petite serviette, petite douche. J'adore le carrelage. Il est incroyable. Genre, vraiment, ils ont même mis du sif. Non, franchement, c'est super bien. Trop cool. Il y a même un sèche-cheveux. J'ai une tête éclatée, je n'en peux plus. Donc vraiment trop bien. J'ai jamais utilisé de bidet de ma vie. Et les petites étagères en verre de partout. Non, mais franchement, c'est super clean. Il m'a dit que si j'avais froid, j'avais une petite couette. La petite déco est sympa. Il y a un petit balcon. Il m'a dit de fermer la fenêtre parce que il faisait froid le soir. Alors que j'ai hyper chaud. Il y a une petite cuisine comme ça. Non, c'est trop mimes. Bon, je vous ai pas repris depuis tout à l'heure. Du coup, je suis allée me doucher. Alors, attendez, il n'y a plus beaucoup de lumière vu que j'ai éteint. Du coup, je suis allée me doucher et j'avais complètement zappé qu'il y avait une douche haute, vous savez.
Et j'ouvre le truc, douche froide, mais genre d'un coup sur la tête. Genre vraiment, c'était horrible. Du coup, je me suis lavé les cheveux, etc. Franchement, c'est super propre, c'est super bien. Il manque deux, trois petits trucs, genre du savon pour les mains, par exemple, pour le lavabo, ou des trucs pour pendre nos serviettes, mais franchement, ça va. Donc, il y a bien quelqu'un dans l'appartement. Je suis chez quelqu'un. Parce qu'au début, j'entendais personne et tout. Je me dis, bon, pour mes conseils là, pour visiter le Vatican et tout le bordel, commencez par le musée du Vatican. Comme ça, ça vous évite de faire deux fois la queue. Et pour la basilique et pour le Vatican, comme moi j'ai fait. Bon, après la queue, moi je l'ai pas vraiment faite. J'ai grugé, vraiment, je sais, c'est pas bien. Mais vraiment, le Vatican, je ne comprends pas. Genre, tu fais la queue juste pour rentrer dans la salle. Et après, il faut aller acheter tes tickets. Il n'y a personne au niveau des tickets. Donc c'est juste pour filtrer. Mais tous les groupes et tout, il y a énormément de groupes, de guides, etc. C'est infernal. Essayez de réserver en ligne. Je crois que c'est 5€ si vous réservez en ligne avec... Le prix, genre c'est 22€ plus 7, ça fait 27, je crois que c'est un truc comme ça. Donc bref, c'est 5€ en plus. Moi, j'arrivais pas à réserver. Genre ça marchait pas, enfin je comprenais pas. Du coup, bah, j'y suis allée sans réservation. Et franchement, c'est un truc à voir. Vraiment, je m'attendais pas à ça. J'ai adoré les trucs sur l'Égypte. Je trouvais ça super beau. Il y avait une momie. Bon, je trouvais ça un peu glauque parce que moi, les trucs des morts et tout, je suis pas très fan. Donc voir ça, voir, j'aime pas. Je trouve ça malaisant pour moi. C'est mon ressenti. Ouais, c'était vraiment très très beau. J'étais vraiment subjuguée. La basilique Saint-Pierre, elle est gigantesque. Vraiment, on dirait Paris. Énorme. C'est plus grand que la mosquée Sainte-Sophia, j'ai l'impression, tellement que c'est grand et haut, c'est super beau. La coupole, vraiment trop cool. Les murs, c'était assez drôle parce qu'ils étaient tous penchés, donc j'ai vraiment... Enfin, c'était assez rigolo. Après, faut pas du tout être claustro. Hein. C'est ou agoraphobe. Moi, je le suis un petit peu, j'ai eu un peu de mal. Mais claustro, vraiment, c'est tout petit. Très, 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 très petit. Je sais pas... C'est assez sportif aussi. Dommage qu'il y ait eu la pluie, mais bon, vu que j'ai passé la moitié de l'après-midi bah, dans le Vatican, bah, ça allait, je trouve. Je trouve ça c'est une bonne alternative. Donc là, je vais essayer de réserver les billets pour le Colisée. C'est 2€ pour les étudiants et 16€ pour les gens lambda. Et en gros, dans ça, t'as droit à 3 attractions. Enfin, attractions, visites. Le Forum, Palatine et Colisée. Donc je vais essayer de voir quand est-ce qu'il ne pleut pas. Donc écoutez, voilà, en tout cas pour ça, j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Les petites rues, elles sont mignonnes, mais j'ai vu mieux, je trouve. Et j'ai hâte de goûter les glaces, j'ai hâte de goûter les pizzas, j'ai hâte de goûter ce genre de choses. Donc on se retrouve demain pour les petites visites. Deuxième jour, c'est parti pour les petites visites. Je vais aller déjeuner parce que j'ai super faim et j'en peux plus, donc faut que j'aille manger. Donc j'ai réussi à prendre les billets pour le Colisée, donc je les ai pris à midi. Il ne pleut pas aujourd'hui, donc enfin de ce que je vois là, il fait un peu froid quand même, j'ai la chair de poule, là j'ai super froid. Donc le Colisée à midi, après il y a le Forum romain et Palatine, et après bah, je vais essayer de me balader, acheter un magnète aussi. Acheter un magnète Colisée, j'aimerais beaucoup. Puis bah c'est parti, let's go. C'est beau quand même. Petit déjeuner de qualité, pancake, café, avec la vue sur le Colisée. C'est trop beau, c'est grand. Donc là, pour entrer dans le Colisée, il n'y a personne. Je pense que vous pouvez prendre vos tickets. J'ai pas vu de billetterie, mais il n'y a personne. Hein. Bon, mieux aller en individuel plutôt que prendre des groupes et attendre 15 ans là-bas. C'est trop trop mignon. Hop. Hey. Les petits trous comme ça là-dedans, c'est fait exprès. Mais alors je ne sais pas pourquoi. Faudra peut-être se renseigner avant de visiter un putain de Colisée. Mais ah, passe par là. Oula, ça passe quoi? C'est hyper grand. Je pensais pas, encore une fois. Mais c'est gigantesque. Bon, il y a beaucoup de guides. Hein. Hop. C'est gigantesque. Alors hier j'ai fait des escaliers avec des murs qui étaient complètement penchés. Et là, celui-là, ah, j'avoue, il est raide. C'est quand même beau les arches comme ça. C'est bien, on évite un petit peu tous les guides. C'est grand, c'est beau. Bon, vraiment, le truc infernal, c'est les guides. Hein. Je les supporte plus, ça, c'est chiant. Mais, ah, petite place. Là ici c'était où il y avait tous les animaux, les gens, etc. Il y avait un système d'ascenseur pour les remonter. Et ça faisait comme des clapets en fait. Et après donc il y avait les combats des gladiateurs, etc. Il y a des petites tribunes. Ah il reste des tribunes là-bas.
mais sinon, on va y aller là-bas. Oh, il y a des gens. C'est super joli. C'est dommage qu'on voit plus les grades. Hein. Mais c'est vachement bien de pouvoir voir tout ce qu'il y avait en dessous là. Ah, c'est quand même plutôt bien. C'est trop beau. Trop trop mime. Voilà. Le soleil est parmi nous. Attention la bête féroce. Hop. Roucoups. Et donc là, c'est là où il y avait tous les animaux. Tout... Mais il y avait aussi les gens aussi, je crois, à l'intérieur. Tout est joli. Hein. Donc là, en fait, il y a une trappe, mais je sais pas s'ils l'ont refaite ou ce que c'est. Je pense pas que c'était d'époque, ça, c'est pas possible. Avec les trucs incendies, c'est pas possible. Mais ça ressemblait à ça. Donc il y avait la trappe, il y avait les gens, les animaux en dessous, et hop, ils faisaient les combats de gladiateurs, etc. C'était comme TF1 ici. Tous les soirs, il y avait un truc. Et là, c'est des gradins. On n'en voit pas beaucoup des gradins. C'est un peu dommage, mais de base, c'est blindé de gradins, mais je vois pas où est-ce qu'ils peuvent être. Et ça, c'est super bien parce qu'on peut avoir de l'eau et gazeuse et plate et gratuitement. Ça, c'est trop cool. C'est juste en face du Colisée. Et là, ce que je viens de voir, c'est qu'il y a plein de petits post-it comme ça. Des post-it. C'est quoi des post-it? Quelqu'un peut m'expliquer ces post-it? C'est même pas des post-it, c'est quoi ces post-it? Si quelqu'un peut me dire, parce que je n'ai pas la réponse. Mais regardez comme c'est beau. Ah là là. Et là, c'est le Forum Romain Palatine, donc c'est parti, il n'y a pas beaucoup de gens, il n'y a personne. Donc là, il y a l'entrée, il n'y avait vraiment personne, c'est trop cool. Et c'est hyper beau, plein de verdure, pas beaucoup de gens. Ça, c'est bien, un peu de parc. C'est trop beau, c'est sympa. Par contre, c'est pas très accessible pour les handicapés. Donc là, c'est un aqueduc qui permettait du coup d'acheminer de l'eau potable dans toute la ville. Et il reste ça, voilà. C'est pas mal, hein. Donc grâce à ça, à ces aqueducs, bah, en fait, il y avait un système d'égout qui était vraiment à la pointe de la technologie pour l'époque et qui permettait de rendre cette ville la plus propre. C'est plutôt bien pensé, mais regardez-moi comme c'est beau. J'aime beaucoup trop les arbres, ils sont trop beaux. En plus, ça laisse vraiment un peu d'air en fait. Ça fait pas trop bouffi comme là, c'est très aérien. Et vraiment, c'est moi je préfère ça que le Colisée. C'est plus joli. Mais c'est trop beau. Petit vent, on lève les bras. Bah là, c'est Palatine, c'est là où se déroulaient toutes les affaires commerciales, politiques, etc. À ce qui paraît, c'est là où il y a Romulus et Rémus qui ont été trouvés. Vous savez, ceux qui ne savent pas Romulus et Rémus, c'est eux qui ont fondé Rome. Sacrément beau. Et encore là-bas. Go, go, go. Là, à ce qui paraît, il y avait une piscine, mais alors je sais pas du tout où est-ce qu'elle était la piscine. Et ici, ils faisaient les banquets, ils faisaient la fête, et en gros, c'était un peu comme Paris 16. C'est un peu prout-prout. Là, il y a la maison de Domus. Ouf, il y a du vent. C'est vraiment sympa. Hein. C'est trop beau. Et du coup, là-dedans, il y avait un temple. Il y avait des shops, des laundries, des bains romains. J'adore ma tête. C'est trop beau. Mais je sais pas ce que c'est ça le truc rond. C'est trop trop beau. J'aime trop cette végétation. En plus c'est bien entretenu, les arbres sont beaux. Petit palmier. Petit rooftop incroyable. Mais cette vue. Cette vue incroyable. Vraiment, on a de la chance avec ce soleil, le Colisée, tout là comme ça. C'est archi beau. Les petits poissons avec une belle fontaine. C'est trop beau. Super beau. Et c'est exactement la même fraîcheur que à Istanbul, dans la Sainte-Irène. Non mais c'est super sympa. Il y a une église à visiter, mais j'ai vu que c'était avec des tickets spéciaux que je n'ai pas vu sur le site. Mais un beau soleil. Les mouettes qui se foutent de notre gueule. C'est beau. Par contre, c'est vraiment immense. Je pensais pas à ce point. C'est gigantesque. Oui. Trop beau. Petites fleurs. Bon, je viens de sortir du Forum Romain, je pensais pas que c'était aussi grand. C'est gigantesque. Je suis arrivée au Colisée à 12h15, je suis sortie à 12h40, donc je suis restée environ 1h, 1h30 dans le Forum et dans le Mont.
C'est gigantesque. Vraiment, là, j'en peux plus. Donc, je vais aller manger. Mais c'est vraiment très, très beau, très, très grand. Dommage qu'il n'y ait pas énormément de panneaux. Donc, je pense que c'est mieux de le faire avec un guide ici. Enfin, Rome, je pense qu'il faut le faire avec un guide parce qu'il n'y a aucun panneau. Ah, je suis tombée sur un marché. Ils font des jus de fruits. Il y a une petite fontaine. Il y a plein de restaurants. Super sympa. Oh, il y a plein de... Il y a des bouteilles bites. C'est trop bien. C'est immense. Waouh. Donc là, c'est le gros bordel. Il y a des pâtes bites. C'est trop bien. Il y a des cuillères comme ça avec les... pour faire des petits paquets cadeaux. C'est vraiment trop bien. Je me suis arrêtée dans un bar parce que y a trop de monde pour le restaurant que je voulais. Et en fait, je viens de voir que pour se laver les mains, il faut appuyer sur les deux pieds en dessous pour faire sortir l'eau. C'est n'importe quoi. Donc c'est ça, le restaurant, franchement, il paye pas du tout de mine. Et tout à l'heure, il y avait une queue jusque là-bas. Ce qui paraît, c'est très bon. Ils font les pâtes, ils font des pâtes fraîches eux-mêmes. Donc voilà ce que ça donne. C'est vraiment des pâtes faites maison. Et ça sent vraiment le fromage de ouf. Genre, c'est des vrais carbonara. En vrai, je trouve vraiment pas ça bon du tout. Il y a trop de poivre. C'est infernal. Le truc là qui fait office de lardon, c'est... ça n'a aucun intérêt à part juste être dégueulasse. On sent rien du tout. On sent pas le fromage parce qu'il y a que le poivre qui est omniprésent. Les pâtes sont beaucoup trop épaisses, enfin, je sais pas, je comprends pas l'intérêt de faire ça et de dire que c'est bon, alors que vraiment, c'est pas bon. Je sais pas, je comprends pas. Et j'ai vu qu'on payait nos couverts, genre vraiment c'est n'importe quoi. Non, je conseille pas, enfin les gens sont pas agréables, le service, voilà, bon. Les pâtes, moi c'est mon avis personnel, je n'aime pas, je trouve pas ça bon. Je préfère la française, c'est beaucoup mieux. Les pâtes sont plus onctueuses, moins épaisses, moins farineuses. J'en ai pris un à la fraise, c'est tout petit, on dirait des tasses à café. J'en ai pris un aussi en original. Bon bah du coup, j'ai bien aimé à la fraise, au café j'ai pas trop aimé. Je suis pas très fan déjà de base de tiramisu. Et là je vais aller me prendre une glace pour tester enfin leur gelatino. Bon, je suis venue ici hier, mais franchement avec un petit soleil, ça change tout. Avec toutes ces couleurs là ici. Bon bah du coup c'est impossible de pouvoir réserver, enfin de venir parce qu'il faut réserver. Vous voyez rien, voilà. C'est tous les samedis, les dimanches et les vacances. Donc on va se faire foutre. Bah du coup je suis retournée et je suis juste genre tout en face. Trop beau, il y a un beau ciel bleu. Trop bien. Et donc là je suis à la place de l'Espagne. Il y a énormément de gens. C'est assez grand, mais c'est encore pire que la fontaine de Trévis. Là, en fait, il y a plein de trucs de luxe. Là, je suis dans un petit salon de thé et de café. Ça s'appelle Tea Rooms. C'est un peu comme Daman Frère, si vous voulez. Et leur cappuccino, une tuerie. Genre vraiment, la mousse de lait, on dirait un nuage. Super joli. Je pense que je vais me prendre du thé et un peu de café. Mais c'est vraiment... trop beau. Bon, je ressors du salon de thé et de café, j'achète du coup du thé, un thé et deux cafés parce que c'était vraiment super bon. Et les dames, elles étaient vraiment trop gentilles. Et quand on consomme sur place, on a moins 15%. Donc bah, c'est pour ça que j'ai pris du café en plus, j'avais juste pris du thé au début. Et franchement, pour consommation et tout le thé que j'ai pris, j'en ai pour 50€. Franchement, ça va. Mais vraiment trop gentil, les dames, trop mignonnes, un amour. Et là, du coup, sur le chemin du retour pour le Airbnb, on a une petite basilique trop mimes. Et là, il y a un petit parc. J'aime trop, il y a tellement de palmiers. Oh là là, c'est trop beau, il y a des fontaines de partout. Là, je suis rentrée à l'appart et le ciel, il est juste trop beau. Magnifique. Il est violet, rose. Là, je suis dans un espèce de boulangerie qui fait aussi café. Et j'ai pris ça, du coup. Je sais pas ce que c'est, ça c'est aussi une spécialité à mettre les deux. Croissant à pistache, croissant Nutella et un cappuccino. Bon, si j'arrive pas à finir, je vais prendre avec moi pour me prendre à emporter, mais je voulais vraiment goûter. Et ils savent pas du tout parler anglais. Donc ça prouve à quel point c'est pas du tout touristique et c'est très local. Ça j'adore. Donc là je viens de manger, mais j'ai pas tout fini. J'ai pas mangé le croissant et ça j'ai pas fini aussi parce que c'est très bourratif. Et du coup je vais demander à emporter. J'essaie de faire Google Traduction, c'est un truc de ouf. Quand j'essaie de parler en italien, genre c'est extrêmement ridicule. Là j'ai recommandé un cappuccino. Alors le cappuccino c'est le même que ce qu'il y a à Athènes, vu que c'est le même café, c'est Illy. Je suis pas très fan, je préfère les cappuccinos que ce qu'on a goûté hier. Du coup j'en ai recommandé. C'est pas très cher là, genre pour tout ce que j'ai eu là, pour 4 pâtisseries et 2 cappuccinos, c'est 12,50€. Alors qu'un breakfast ici, c'est minimum 18€. Si vous avez l'occasion d'y aller, c'est Café Italia. C'est à côté de mon Airbnb en fait. C'est la Elisa du montage qui vous parle. J'ai complètement zappé de fermer le vlog. Je suis arrivée, j'ai même pas pu aller en cours parce qu'il y avait mon avion qui a eu du retard, le train a eu du retard, enfin tout a eu du retard, donc c'était un peu galère. J'étais vraiment claquée
le soir même. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai pris des magnettes, j'en ai pris deux cette fois-ci parce que vraiment il y en a un qui était plutôt pas mal. Celui-ci avec marqué Roma et donc il y a le Colisée, basilic, tout, il y a vraiment de tout. C'est ça que j'ai beaucoup aimé et comme d'hab je mets la date en dessous. Trop beau. Et ça, il y en avait tellement des trucs comme ça avec des vraies pâtes à l'intérieur. Hein. Et c'est un aimant. Et je trouve ça trop beau. Il y avait des bouteilles de coca, des Corona, genre vraiment c'est incroyable. Ça coûte 6 euros ça par contre, c'est un peu cher. Ça c'était 1 euro, mais franchement j'adore. Donc ça va aller dans ma petite collection de magnettes. Et on en est quand même à beaucoup là. Hein. Et j'ai aussi acheté du limoncello pour mes parents. C'est très lourd. Je pensais qu'ils aimaient, mais en fait ils aiment pas. Donc je suis ravie, je me suis trimballé ça et j'ai acheté ça pour rien. Bon, ils le mettront quand même dans leur bar au cas où s'il y a des gens qui aiment bien. Mais voilà, ouais, c'est un peu lourd quand même. Hein. Mais j'avoue, j'ai pas pensé au retour quand ils prendront la bouteille. Bon, c'est pas grave, tant pis. Donc j'espère sincèrement que bah, ce vlog vous aura plu. Je vous mets toutes les informations en barre d'informations. Sur Instagram aussi, je vous ai mis les liens des billetteries dans mes stories Insta Italie. N'hésitez pas à les checker, je vous ai fait des photos groupées avec le Colisée, tout le bordel. Donc n'hésitez pas à les regarder. Il faut que je vous fasse aussi le réel. Ça va être beaucoup de travail, je le sens encore, j'ai pas fini. Voilà pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est ElisaBRTOff. À vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui seront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye.